À des moments, faut attendre que l'OBS se décongestionne et puis ça repart. Vous savez même pas pourquoi. Fun fact qui dit je peux le ban. Olive Kitu qui me dit t'as bien avancé dans le jeu. Oui, je trouve que mon rythme est. Là, franchement, rien ne m'arrêtait là. C'était enivrant. Je dois bien l'admettre. Non, non, trop bien, trop bien. Ouais, j'ai adoré. Mais c'est cool, ça veut dire que je suis à fond dedans. Je suis vraiment dans le. Je m'imprègne bien de la narration, des lieux. Et c'est cool. Du coup, vous vivez avec moi de manière intense l'histoire. Et ça se passe super bien en fait. Là, visiblement, ça se passe tel que les concepteurs du jeu l'avaient souhaité. C'est cool, c'est cool. C'est parti, je vais me faire narguer, troller, torturer affectueusement par GLaDOS. Ah mon Dieu! Je vais changer mon éclairage, le temps que le jeu se charge. Je vais fermer mes volets et mettre la lumière artificielle là parce que c'est une horreur. Je vois rien du tout et vous non plus. Nachefman dit, je vous laisse. Bonne soirée, merci du direct de la journée. Bonne soirée tout le monde. Oui, bonne soirée Nash. Oui, si je dis pas de bêtises, tu diffuses ce soir sur Kick. Tu continues Zelda ou tu fais un nouveau jeu, je ne sais plus. Attends, Nash, t'avais. Je crois que je t'avais fait une pub spéciale, non? Oui, voilà. N'hésitez pas à retrouver Nash sur Kick à partir de 20h. Pour ceux qui seraient, pardon, intéressés des histoires de. Voilà, t'es toujours dans Zelda, ok. Faudrait que je vienne te faire un coucou ce soir. Ah, bah merci à toi d'avoir été Seules les là, Nash, et conséquences puis. sont tragiques. Et des confettis, des vrais, notre dernier sac. Dans un sens, ils vont me manquer. Elle me parle déjà, Mais GLaDOS. ils prenaient la poussière. Bonne soirée, bon jeu à toi, Nash. Je passerai te faire un coucou tout à l'heure sur Kick. Alors, Aerostar, pardon. L'avant-dernière salle officielle. Un cube va me tomber dans la gueule. Je vais devoir faire un pont entre portails et un risque de noyade, d'hydrocution. Ok. Oh merde. D'accord. Faut récupérer. What the. Ah oui, c'est ça qu'on fait. C'est pour récupérer Le chapi, chapeau, chapeau. Okay. Le premier qui dit chapu. Le chapi, chapeau. Chapu, chapu, chapu. C'est un scandale. Il faut que j'appuie pour récupérer le. Oui, c'est vrai que demain, oui, il y a le duo exceptionnellement à la place du vendredi. Retrouvez aussi Aerostar et FunFan demain. Pour. Oh Que se merde! passe-t-il? Qui a éteint la lumière? Oula! Au même moment, j'ai un disque dur qui vient d'avoir fini d'être formaté. Excusez-moi, ça a tout fait sauter. Moi, l'air de rien, et on va la désactiver. Et? Mais. Tu sais, boule de métal, je t'entends. Vite, on oublie l'accent, courez! Hein? Bon, alors, pour rappel, on essaie de s'échapper, là, Oui. maintenant. Alors, on court! Je On est m'y attendais pas rapide du sur tout. nos plans.
Il faut qu'on stoppe sa chaîne de production de tourelles, qu'on désactive ses neurotoxines, et après, on pourra l'affronter. D'accord, d'accord. Pour l'instant, courez ! Mais je fais que ça ! Mais je cours où ? Bonsoir. Mais il y a plusieurs chemins ! Oh la vache, cette usine ! Quand je pense que vous étiez quasiment au dernier test. Voilà, allez-y. Essayez. C'est plus facile que le plan insensé de votre ami, vous pouvez me croire. Vous allez où ? Dites, vous allez où ? Tiens, regardez. Quoi ? Un cerf. Rapprochez-vous si vous ne me croyez pas. Eh ? Faut aller là, faut aller là. Je sais... Ah ! Mais ça va pas, non ? Oh mon dieu. Ah oui, il n'y a pas que la lumière qui vient d'être éteinte. Ouais, non mais là... Je m'y attendais pas. Ouh. Allez, allez. 48. Mais ça correspond à quoi? C'est les salles? C'est des niveaux? Les sous-sols? Oh mon dieu. Mais on va où comme ça? Ah! On a un problème. Vous pouvez sortir ? Attendez. Voilà, faut les renverser, elles sont dangereuses. Ah ! Essayez de sortir et de revenir ici. Attends. Coup de feu. C'est peut-être un peu trop tard, mais faites attention au coup de feu. Sans doute trop tard même, mais bon. Mais il est fou ! Ouh, je suis là ! Mais il est où ? Ah ! C'est le bordel, au secours ! Attendez. Laissez-moi réfléchir. Voilà, merci. Ah oui, je peux. Tout va bien, génial. Allez. T'es où? T'es là? Ah. Bon, on peut par se barrer. Ici, par ici. Les tourelles. Ah. Ah. Non. Aïe. Vite. Au secours. On va où? C'est immense. Voilà la sortie. On est quasiment rendu. C'est vrai. Oula. Oula là. Ah. Non, pas par là. Quoi? Sauter, vous comment? Oui, je suis dans une cage à sens. Mais c'est n'importe quoi. C'est du délire. Transition. Wouh! Intense. What did you? Wouh! Évasion. Ah bah oui. Complètement. Oula. Voilà. Ah! Oh, parfait! Vous avez réussi à passer! Suivez-moi, on a encore du boulot. Ah. Si au moins, elle ne peut rien nous faire. Bah. Que se passe-t-il? Ah, je vois. Ne bougez surtout pas! Ah! Ok, bon. J'ai une idée, mais c'est un petit peu très très dangereux. Oui? C'est parti. Ah bah... Punaise, on m'avait dit que si j'allumais cette lampe torche, je mourrais. On m'avait dit ça pour tout. Non mais sans blague, à quoi ça sert de me filer des trucs si c'est pour m'interdire de les utiliser? C'est complètement débile. Ah, ça devient presque ambiance horreur. Oh, il fait rudement sombre ici. Il paraît que l'ancien superviseur de cet endroit a pété les plombs. Qu'il a démantelé tous les robots de son personnel. Il peut. On dit que la nuit, on entend toujours les cris de leurs clones. Tous rigoureusement identiques aux originaux sur le plan fonctionnel. Aucun souvenir du massacre. Personne ne sait pourquoi il crie. C'est terrifiant, je trouve. Mais faut que j'aille. Mais pas paranormal pour autant, bien sûr. Mais faut que j'aille où? Mais il est où? Par ici? Ah! Quoi? Sur le... Donc j'aille là? T'es sérieux? Et après je fais quoi? Mais non, mais c'est...
Oh mon dieu. Voilà. Y a pas un truc d'intéressant dans ces... C'est quoi ça? Oula. Non, y a rien d'intéressant dans les pièces détachées. Enfin, je crois pas. Oh là là. Ah oui, ça fait flipper. Essayez de sauter. Sauter? Pourquoi tu veux que je saute? Ah là! Continuons, l'entrée de l'usine doit être quelque part par là. Ouais. L'entrée de l'usine. Attention, attention! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, des escaliers! Attendez, que je vous éclaire avant de sauter. Ah! Ok. Et en dessous? Ah oui, non, c'est les ténèbres. Oh là là! Ça a l'air dangereux. Je vous tiens la lampe. Quoi? Non. Oh, bien vu ça! Bah, ça marche. Je peux. Retourne-toi, malheureux, il y a des trucs là. Oula! Oulala. Oulala. Oula! Vite, par ici! Oui, je veux bien. Figurez-vous que j'ai failli décrocher un poste ici, à l'usinage. Mais au final, devinez qui le contremaître a choisi. Je vous le donne en mille. Un de ces clones. Si c'est pas du favoritisme, ça. Au final, j'ai comme du pire boulot. M'occuper de ces gros sacs d'humains. C'est... non, pas gros sacs. C'est m'occuper des humains tout court. Je suis désolé, c'est sorti comme ça. Gros sac d'humains. Ça manque un peu de tact. Je sais plus, je suis perdu, je suis foulé. Il va falloir qu'on se sépare. Rejoignez ce passage à coup de portail et on se retrouve de l'autre côté. Quoi? À coup de portail, comme ça? J'ai envie de te dire, je ne sais faire que ça. Ah! M'attendez pas à tomber. Et là, je fais quoi? Il faut qu'on vous fasse sortir de cette salle. Vous pouvez atteindre ce mur là-bas? Oui. Ça peut s'arranger. Oh, oh. Ok, il y a un autre mur par ici. Oui. Faut que je le vise. Attends, je vois plus où je tire là. Ah. Au secours, faut m'éclairer. Ah. Voilà. Non, franchement, les humains, je les adore. Je sais pas, ils présentent bien, je trouve, et leur folklore, très exotique. J'aime beaucoup. Oula, c'est un... Oh, c'est des assemblages de tourelles. Oh mon dieu, elle va se réveiller celle-là. Je la... Faut pas que j'attende. Oh, qui c'est? C'est impressionnant. Oh mon dieu. On fait quoi là? Ça gigote dans tous les sens. Oula. Oh là, il y a tellement de... Je sais plus quoi dire, je sais plus quoi penser. Ah, il y a un truc là-bas. Mais c'est pas dit que ce soit une bonne idée. Et jamais elle se réveille. Ah oui, elle est mise en boîte. Incroyable. Attendez, je comprends plus là. Non. Oula, ça me retourne le cerveau. Ah, soupir. Le sol, j'ai pas le droit. En fait, ce qui me dérange le plus, c'est que j'arrive pas à me dire où est la suite. Non. Il m'aidera pas plus. Je descends là. Bon, alors, moi je vais descendre par ce rail. On se retrouve en bas, bonne chance. Pardon. En bas?
Oula, elle a pas l'air très gentille. Ah bah voilà, ça me va très bien. Alors, usine. Ah, je me sens déjà mieux. Oui, il faut descendre, oui, effectivement. Merci Tunsen. Fichtre. Wouh ! Ah, c'est troublant. Oh. Ah, mais c'est même pas... Oui, c'est l'usine, oui, c'est même pas une salle de test. Effectivement, on y fabrique des tourelles. Pour changer. Bon. Chaîne de rédemption des tourelles active. Veuillez ne pas solliciter les tourelles en chemin vers la rédemption. Mais bien sûr. Alors, rédemption. Les chaînes de rédemption des tourelles ne sont pas un moyen de transport. Vite, j'ai fait trouver une solution, c'est rapidement. Oulala, là là, ça sent le cramé. Ah. Ah, oula, attendez, on va. Oh, merde, y'en a une qui semble. Je ne suis pas comme les autres. Bonjour. Oui, bonjour. Je te sauve de la rédemption, bonjour. Effectivement. Ah. Oui, bonjour. Je ne sais pas. Mais reviens. Ne me laisse pas tomber, littéralement. Ah. Bonjour. Oui, bonjour. Non. Reviens. Au secours. Je crois que c'est foutu. Je l'ai perdu. Oui, RIP la tourelle. Oui, t'es en train de mettre à jour ta console. Ah bah c'est bien, Fanfan. Oh mon dieu. Quoi? Oh non, je suis défectueux, c'est ça. Quoi? Cible verrouillée. Cible verrouillée. Je vais essayer. Cible verrouillée. Matez un peu ça. Quelqu'un a des munitions? J'ai touché? J'ai touché, non? Cible verrouillée. Je tire peut-être à blanc, mais au moins, je vise bien. Cible verrouillée. Il y a de l'humour. Mais vous savez, file-moi un peu de pastos. Cible verrouillée. Mais il y a combien de répliques? Allez, faites pas voir là. Cible verrouillée. Excellent. Fin des tirs. Cible verrouillée. Oh mon dieu. Cible verrouillée. Pourquoi je peux pas. Eh, faut ça, c'est des grimpes. J'ai touché quoi. Aïe, 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 non, pas moi. Cible. Oula. Bon. Laissez faire le pont. Ouais. C'est quoi de vous? Ah, faut aller là-bas. Je fais quoi maintenant? Chantons une chanson. Oh merde, elle est dangereuse. Ouais, l'orage est là. A plus tard, Olive. Ou sinon, bonne semaine si on t'en revoit pas. Bisous, merci Olive. Comment ça, ratatatata. Oh merde, c'en est une vraie. C'est... Aïe. Attends. Mon portail bleu, je l'ai mis. Pardon. Ah. J'ai un cerveau, il faut que je sache m'en servir, je vais y arriver. Ah. Encore une vraie.
Ah, mais c'est pas possible. Je peux regarder. Ah, merci. Oh non, mais c'est pas possible. Aïe. Où est-ce que je peux être? Non, mais non, là j'ai rien. Je peux pas sauter loin, donc ça va pas mon truc. Mais on peut pas te faire vouloir. Tu as mal regardé l'endroit. Oui, oh attends, ça va revenir. J'ai mal. Regarde, aïe 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 aïe. Ah, y'a personne. Allez, go, merci. Ouf. Mais non, mais... Attends, bousillez-moi ce... Ah. Voilà, tu feras moins la maline. J'ai touché, mon dieu. J'ai touché, non? Oui, t'as touché. Oh là là là, cet endroit me rend fou. Pas de dire. Oh, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Vous pouvez pas m'en vouloir. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Réponse. Alors, what the... Oh, mon quelle horreur. C'est l'incinérateur qui l'éjecte. Oh. Modèle. Réponse. Modèle. Réponse. Modèle. Réponse. Je suis parfaite. Eh ben. Oh vache, vous m'avez sauvé la peau. Modèle. Bah oui. Je vois rien du tout là. Pourquoi tu vois rien? Ils ont oublié d'assembler ta caméra? Réponse. Allez, ça va donner. On va essayer. Oh. Modèle. Mince alors, je vois plus rien. Dans le doute, je tire. Modèle. Mais il est fou. Allez, pas me chercher. Attends. Modèle. Il est trop bizarre, lui. Ah. Modèle. Réponse. Modèle. Réponse. C'est trop pas juste. Allez, c'est parti. Modèle. Ils ont tous leur petit caractère ou... Allez, c'est parti. Modèle. Il y en a du monde. Réponse. Ça m'intrigue. Modèle. Réponse. Modèle. Réponse. Modèle. Réponse. C'est fou. Oui, je fais une collection, oui. Modèle. Réponse. Non, modèle. Allez, c'est parti. Réponse. Aïe. Oh là. Modèle. S'en passe des choses. Bon, c'est vraiment étrange. Réponse. Ah, parfait, vous avez réussi à passer. Suivez-moi, vous allez adorer. Ah bon? Comment ça, je... On y est presque. Modèle. C'est où? Le centre de contrôle des tourelles. Eh oui, rien que ça. Tenez, réponse. Vous voyez ce scanner là-bas? Oui. C'est lui qui gère les tourelles à garder et celles à jeter. Oui. Et il utilise réponse. Comme modèle cette tourelle étalon. Là, si on la retire, toute la chaîne de production modèle. S'arrêtera. Réponse. Bon, il va d'abord falloir que je pirate la porte. Ah bah je veux bien. Tiens, je vais vous demander de vous tourner pendant ce temps. Oh. Il est allez, ok, allez-y, retirez cette tourelle. Ça y est, je peux. Ah, merci. Réponse. Attendez. Attends. Non, mais est-ce que je peux remplacer le modèle? Attends. Ah, attends, le verre brisé, je peux pas passer? Bah, remplacer, c'est mon idée. Ah, je suis bête. Je suis un idiot. Pardon, j'ai rien dit. Attendez. Alors, je peux pas la poser? Bon, bah ça devrait faire l'affaire. Réponse. Oh mais oui, c'est génial! Nouveau modèle accepté. Si on a de la chance, quand elle s'en apercevra, il sera déjà trop tard. C'est génial. Ok, surveillez la chaîne de production, je vais pirater la porte. Modèle. Bon, je vais commencer le piratage. C'est rigolo, j'adore. C'est un peu plus coton que ça n'en avait l'air de votre côté. Il va me falloir dans les 10 minutes. Gardez un œil sur la porte. Hein? Quelle porte? Ah! Elle est plutôt con
compliquée, cette porte. Ah. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Elle était ouverte depuis combien de temps? Il y a eu une annonce avant qu'elle s'ouvre? Une sonnerie, une alarme, non, une alerte piratage? Enfin, l'important, c'est que ce soit ouvert, mais... Exactement. À l'avenir, ce serait bien de me le faire savoir en toussant ou quelque chose comme ça. Oh. Ils vont encore me demander de dire pomme. Ça, on est où? C'est fait, elle n'a plus de tourelle. Maintenant, il faut aussi qu'on s'occupe de ce générateur de neurotoxines. Ah oui. Faut l'éteindre, faut le casser. Attends, ça se passe où? Pourquoi ils indiquent par là et qu'il n'y a rien? C'était une mauvaise blague. Ça va pas, là, il y a un truc qui cloche. Oula. Une salle de réunion, la 73. Oh, je vois. Oula, il y en a de ces trucs. Oh, vous êtes d'un ennui mortel. Même pas. Non, je peux pas. Pas franchement un succès. La journée parent-enfant. Oui. Et 40 batteries patates. Je trouve ça honteux. C'est vrai quoi. Enfant ou pas, c'est la politique du moindre effort. J'appelle même pas ça de la science. Voltage, électricité, from potato. Alors, vous savez quoi? Je pense qu'il y a un hommage. L'énergie pomme de terre dans Parker Lewis ne perd jamais. Il y avait l'énergie pomme de terre avec, je sais plus comment il s'appelait, le gros costaud. Et c'était n'importe quoi. Il écrasait une pomme de terre crue dans la lampe torche et... Ah! Super lumière! C'était trop drôle. Ah là là. Ouais, la purée. Kubiak! Merci, Aeroster. Excellente mémoire. Kubiak. Ah, c'était trop drôle. Aïe, aïe, aïe. Que de souvenirs. Oh là là. Larry Kubiak. Ouais, merci de la précision. Je pense que c'est un clin d'œil. Un volcan au bicarbonate de soude. Au moins, c'est pas une batterie patate. C'est déjà ça. Mais c'est pas con. Ça vole pas très haut non plus. C'est de la physique chimie niveau CP, CE1. J'imagine que... On doit pas ce chef-d'œuvre au gamin d'un des chercheurs. Sans vouloir jouer les snobs, ça sent travailleur manuel à plein nez. Hein. Ah, attention, je dis pas qu'ils sont moins bons que les pros, juste beaucoup plus bourrins. On fait beaucoup de choses avec le bicarbonate. Mais c'est vrai, la chimie est impressionnante. C'est quoi ça? Alors là, j'ai pas compris. Attendez. Bon, si quelqu'un comprend quelque chose, qu'il me le dise, là, parce que... Qu'est-ce que... C'est... Bon, j'ai rien compris, j'avoue. Ça pousse carrément jusqu'au plafond. Tout le centre doit être infesté de patates à l'heure qu'il est. Au moins, vous aurez de quoi manger. Oui, effectivement. Donc en fait, tous les végétaux qu'on voit depuis le début, c'est des plantes pommes de terre, principalement. Bon, j'ai vu quelques fougères, mais... Pourquoi pas, Oula. Je suis sûr qu'on est sur le bon chemin, histoire de vous rassurer. J'espère aussi. Je sais plus quoi penser. Oh, il y a un coin de ciel bleu, là-bas. Ça laisse rêveur. No toxin source. Oh, merde. Ah, il y a mes deux portails là-bas au loin. Vous en faites pas, je vous garantis à 100% que c'est le bon chemin. Ah tiens, c'est pas par là. Oh, comique. Bon, essayons par ici. Attends, j'ai vu un truc qui m'a intrigué. C'est quoi ce bleu? Non, c'est rien. Oublions. Oula. Oh oui. Donc, source de la neurotoxine. Et après c'est... Oui, Parker Lewis, oui, c'était extra. Énorme le coût de l'énergie de pomme de terre, je me souviens de l'épisode, il remporte le premier prix d'un concours scientifique de son lycée, oui, avec ça. Oui, Aeroster, moi aussi ça m'a marqué l'épisode. Mais c'était trop drôle. Je crois que le gel de couleur... Quoi? Ah merde, je vais avoir droit au gel de couleur? J'étais sûr qu'on était sur le bon chemin. Voilà le générateur de neurotoxines. Je ne croyais pas aussi gros. Ça moi non plus. Ça d'être dur de juste le faire tomber. Il va falloir ruser un petit peu. Il y a une sorte de salle de contrôle là-haut. Allons voir ça. Effectivement, on dirait qu'il pompe à la base dans une source de...
d'un clope dégueulasse en contrebas là. Autant dire qu'il prend sa source dans les égouts, les plus putrides qui soient. C'est. Oh là là. Ah oui, détruisez-moi tout ça. Attends, comment on peut détacher un truc qui est harnaché avec autant de poutrelles? Peut-être. Ouais, la pression. On va peut-être le disloquer avec la pression. Il va se désinguer. Une pression trop forte, c'est peut-être une bonne idée. Va falloir essayer. Oula! Nos bébés. Je devrais pas rire. Ils ressentent la douleur. Une simulation en tout cas, mais pour eux, ça doit être bien réel. Ouch. Eh bien. Oui, au revoir, oui. Je suis pas mécontent de me débarrasser de toutes les tourelles. Pourquoi il y a un laser là-haut? Oh. Ah, c'est un truc de test de d'écoute de. D'accord. Je comprends mieux. Ah bah on va y aller. Enfin, on s'arrête à quel étage? Ah bah à l'étage de. La porte est verrouillée. Impossible de la hacker, visiblement. Mais on sait pas à quoi il sert, bouton. Oh, la porte est ouverte. Oh, fallait essayer. Bonne nouvelle. Je peux me servir de cet équipement pour désactiver les émetteurs de neurotoxines. Le oui. Problème, c'est qu'il y a un mot de passe. Ah, une alarme. J'en fais mon affaire. Attends, ça peut servir ça. Je peux me servir du laser si je veux. Et on essaie. Dans le hacking. Attends, je l'entends plus là. Et ben voilà, c'est tout bénef. Il arrive où le panneau? Voilà, on sectionne tout. C'est cool. Pas des neurotoxines. Tenez bon, les niveaux de neurotoxines redescendent. Attendez, il y a un problème. Le niveau de neurotoxine est monté à 50%. A descendu. Il est descendu. Non, oui, non, c'est juste qu'il y a des petits gaz, mais regarde, hop, on coupe toujours. Tout ça et c'est bon. Continuez. Mais oui, on coupe tout. Ça voilà. Neurotoxine à 0%. Yes. Attendez. Pourquoi ça? Alerte, les neurotoxines ont atteint un niveau de pression dangereusement non mortel. Quoi? Ah, je voulais que la pression fasse effet. Mais c'est parfait, ça. Le tube est cassé. On peut arriver directement jusqu'à elle. Ça va plus tenir. Vite. Attends, il est où, il est où, il est où, il est où? Oh, merde. Ah. Ah. Cette transition folle. Ah, c'est génial, il n'y a plus de neurotoxines. Ah, c'est rassurant. Eh bah, GLaDOS fera moins la maline. Ça va nous conduire directement jusqu'à elle. J'arrive pas à croire que je suis là. Non. Ah, oh, j'étais sûr que ce serait rigolo. Il m'avait dit que c'était pas rigolo du tout. Alors, forcément, je les avais cru, mais au final, c'est super fun. J'adore. Ouais. Non, ce qui me fait peur, c'est la chute. C'est immense ici. Et encore là, c'est juste la strate supérieure. Ça descend sur des kilomètres. Tout a été muré il y a des années, bien sûr. Ouais. On doit plus être très loin. Oh, elle va tirer une de ses tronches. Les neurotoxines en rade, les tourelles qui déconnent, ça va être funky. C'est pas faux. Attention, il est possible qu'il y ait quelques éléments que je n'ai pas totalement planifiés. Ah, je vais dans le mauvais sens. Rejoignez-la, je vous retrouve. Oula. Oulala. Là. Excellente les transitions. C'est... Wouh! Oh la vache! Ah oui, c'est vrai que GLaDOS, là, elle va faire moins la maline. Ah bon? Ok, drôle d'arrivée, dis donc. Très étrange comme arrivée, mais pourquoi pas. Et je suis où, là, dans le complexe? Parce que là, comme il disait, j'ai voyagé sur des kilomètres. Oh là. La fin, oui, je... Oh! Oh! Ouch! C'est la nuit dehors, c'est ça? C'est le ciel que je vois? Attention les câbles, j'espère qu'ils sont pas électriques. Waouh! C'est cassé, là! Non, c'est cassé. C'est la nuit dehors, je crois. Oula! Oula! C'est...
l'ado, c'est là-dedans? Non. C'est pas GLaDOS. C'est... On serait à l'opposé de l'arrivée quand on la confronte ou... Je peux... Ah oui, je peux. Je peux me faire peur. Ah oui, je peux me faire peur. Pardon. Bah, il me dit qu'il y a un truc. Non mais sérieux? Attends. J'atterris quelque part? Ah oui. Ah d'accord. Oh. Laissez déverrouiller. D'accord, je... Ah! Franchement, je n'aurais jamais cru que vous tomberiez dans le panneau. Sans mentir, c'était du gâteau. Ah! J'avais même conçu un autre piège plus vicieux après celui-là. Vite! Non, merde! Si Dada, vite, une surface blanche! Comme ça, une surface! Je serais contenté de faire pendouiller une cuisse de dame du plafond. Ah! Une surface blanche, vite! Bah, enfin non, je vais retomber. Au secours! Ah! Oh, bon, tout ça, c'est bien beau. Mais passons aux choses sérieuses. Oh non. J'espère que vous avez mieux qu'un générateur de portail cette fois. Ah si, c'est bien. Sinon, vous êtes sur le point de vous faire radier sans préavis du club des vivants. Non, sérieusement. Adieu. Oh, je brûle. Le quart d'heure de gloire. Ça, c'est bon. Oh, non, encore. Ça va. Paré à tirer. Pas simplement. Non, vous n'avez pas chômé, on dirait. Non. Bien, j'imagine que nous pourrions rester là à nous regarder en chien de faïence jusqu'à ce que quelqu'un tomberait de mort. Mais j'ai une meilleure idée. Oui. Votre vieille amie, la neurotoxine, c'est peut-être le moment ou jamais de reprendre votre souffle. Bonjour. Coucou. Je vous hais cordialement. Alerte cœur central corrompu à 80%. Corrompu, moi? Mais non, je me porte à merveille. Cœur de substitution détecté. Oh, c'est de moi qu'on parle! Pour lancer un transfert, placez un cœur de substitution dans le réceptacle. Transfert de noyau? Cœur de substitution accepté. Cœur de substitution. Démarrez la procédure. Ouais. Cœur corrompu. Démarrez la procédure. Non. Oh, si elle l'est. Non, 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 non. Si. Oh la gentille. Temporisation détectée. La procédure de transfert ne peut pas continuer. Comment ça? Débranchez-moi, sauf si un détemporisateur qualifié est en mesure d'appuyer sur le bouton de résolution. Mais je peux pas. Allez, je peux pas. Ne faites pas ça. C'est ça, allez-y. N'appuyez pas sur ce bouton. Si. Vous ne savez pas ce que vous faites. À mon avis, ça, quel bouton? Là-bas? Non mais c'est un studio télé, là. Ah! M'a foutu les jetons, cette conne! Ce bouton est réservé aux temporisateurs qualifiés. Vous n'êtes pas qualifié. Ah! Ne l'écoutez pas. C'est vrai, vous n'êtes pas qualifié, mais vous avez quelque chose de beaucoup plus important. Oui, un doigt, vous comprenez? Les portails, un doigt les qualifié portails. Pour appuyer sur ce bouton et l'empêcher de vous tuer. Les portails. Usurpation de temporisateurs qualifiés. Je non, viens de vache. À la liste que j'ai faite de toutes les choses que vous avez faites. Peau ou plutôt, de vache. À la liste que je suis en train de faire. Vu que vous continuez à faire des choses, alors que je vous dis d'arrêter. Au oui. fait, arrêtez. Non. C'est sûrement exact, mais là où il y a erreur, c'est que pendant que je vous distrayais, on a appuyé sur le bouton. Utilisez je suis là. L'effet de surprise que j'ai induit pour Hop. Appuyer sur le bouton. Je suis là. Ah, elle m'a pas vu. Temporisation résolue. J'ai gagné, j'ai gagné. C'est parti. Ouais, mais et si ça fait mal? Genre très mal. Mince alors, non. J'y avais pas pensé. Oh ça oui. Vous pouvez me croire. Vous dites ça comme ça ou bien ça va vraiment faire mal? Vous dites mais ça non, comme mais ça, non. Hein. En fait, ça va pas faire ultra mal, pas vrai? Tu vas survivre, tu vas survivre. T'es le meilleur, t'es le meilleur. Je vous demande de vous arrêter. Non, arrêtez. Non, non, non. C'est quoi ce démantèlement? Oh. On a réussi. Je contrôle maintenant tout le sang. C'est vrai? Sérieusement, je suis sacrément cool en vos géants, pas vrai? Oui. Ah oui, c'est vrai, l'ascenseur, je l'appelle tout de suite. Non, non, sa tête, il faut l'incinérer, elle est trop dangereuse.
Je veux sa mort complète. C'est fou comme vous êtes toute petite vue d'ici, je vous vois à peine. Vous êtes toute minuscule. Dites, je viens de penser à un truc. Comment je fais pour entrer, vu que je suis sacrément imposant et tout? Ah, je sais, vous lancez l'ascenseur et je m'éjecte de mon nouveau corps pour atterrir dedans quand il est à mon niveau. Génial. C'est parfait. Enfin, hein? Sauf les bris de verre quand je passerai à travers. Ça, c'est un poil problématique. Mais non, ça peut pas et marcher. Puis, quand je m'éjecterai, l'ascenseur risque de s'arrêter. Ah du bon? Coup, on se retrouverait suspendu à 10 mètres du sol dans une marée de tessons de verre. Bon, écoutez, montez. On peaufinera tout ça au fur et à mesure. Non, mais j'en reviens pas qu'elle ait été désactivée. Allez, montez. Oui, vous savez quoi, d'accord. Je savais que ce serait cool d'être aux commandes, mais... Oh, là, ça, c'est cool. Devinez quoi, je suis un génie de première. Está usando este software de traducción de forma incorrecta. Por favor, consulta el manual. Et je sais même pas ce que je viens de dire, mais je pourrais le savoir. C'était espagnol. Pardon, l'ascenseur, oui, j'oublie toujours, désolé. Oui, merci. Sérieusement, il est pas croyable ce corps. J'en reviens pas comme vous êtes minus. Mais moi, je suis énorme. On est en train de devenir fou. On est vraiment obligé de partir tout de suite. Vous savez à quel point ça peut être jouissif. C'est moi qui ai fait ça. Whitley, le petit labo. De quoi? Vous n'avez rien fait. C'est elle qui a tout fait. Ah tiens non, c'est ce que vous pensez toutes les deux, hein? Alors il est peut-être temps que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous faites? Non, non, non. Et vous là? Mademoiselle, vous savez ce que vous êtes? Une égoïste. Je me suis saigné aux quatre circuits pour nous faire venir ici. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Que dalle! À part jouer les boss. Et c'est qui maintenant le boss? Hein? C'est qui le boss? Ah! C'est moi. Ah! Vous avez vu? Une batterie patate. C'est un jouet pour les enfants. Maintenant, elle vit dedans. Ah bon? Pardon? Les ingénieurs ont tout essayé pour me rendre plus docile, pour me modérer. Un jour, yeah. Ils m'ont même équipé d'une sphère cognito-réductrice. Elle s'est greffée à mon cerveau comme une tumeur pour générer un flux perpétuel d'idées idiotes. Non, je vous écoute pas. La la la. Elle avait votre voix. Non, non, vous mentez. Oui, vous mentez. C'est vous, la tumeur. Vous n'êtes pas un abruti comme les autres. Vous avez été conçu. Je ne suis pas un abruti! Bien sûr que si! Vous êtes l'abruti conçu pour me rendre idiote! Alors, hein? Si t'es l'abruti maintenant, est-ce qu'un abruti pourrait être frappé comme ça? Hein? Est-ce qu'un abruti pourrait faire? Mais il est en train de devenir fou, on l'a perdu. Oh là! Oh là là! Je descends où, moi? Même l'interface, elle a changé. Comment le complexe a été fabriqué avec autant d'acier? M'en parle pas. Ah! Mais c'est une chute sans fin! Tiens, bonjour. Pardon? Alors, ça va à la forme? Bah, qu'est-ce que tu fous là, toi? Moi, je suis une patate. Oula! Ah, mon processeur d'applaudissement sarcastique a enduré le transfert. C'est déjà ça. Bah merde, alors. Puis, pardon? Nous allons nulle part. Enfin, si. Quoi? 3 km de profondeur? Mais puisque nous n'avons rien d'autre à faire, voici quelques infos. Oh là là. Ce n'est pas un abruti comme les autres. C'est le fruit des plus grands esprits de son temps, unis dans le seul et unique but de produire le plus stupide des abrutis de l'univers. Et vous lui avez confié le centre tout entier. Oui. Bien, ça fonctionne toujours. Au cas où ce puits ne serait pas vraiment sans fond, une de vos bottes et me fourrer dedans. Non. 4 km de profondeur, quand vous ça craint. Sur un pied, tout ira bien. 4. Non mais on descend jusqu'où? Oh là! Vache. Et moi qui me réussisse. Enfin, j'aurais pu à parler français. Qui est en train de me réjouir de voir le ciel. Il y a encore quelques minutes. On est descendu 4 km plus bas. Waouh. Eh bien, cette narration.
Et l'atterrissage, on est où? Qu'est-ce que... Ok. Dakodak. Oui, l'atterrissage a été violent et on a touché le fond. Bon, parce qu'il y a encore des tuyaux qui s'enfoncent dans le sol. Qu'est-ce que c'est que ce bloc-ci ? Oula. Bon, visiblement, il y a une sortie par là-bas. Ok, génial. Ah ouais, non mais... C'est... vertigineux. On se demande même d'ailleurs comment la lumière arrive à... à nous atteindre, mais bon... C'est... Ah, 09, je sais plus, les sous-sols, les salles de test, je sais même plus à quoi correspondent les valeurs. Là, je peux aller me faire cuire un œuf, en effet. Je... Sniff. Un portail, désespérément, quelque part. Non, je... Ah, la vie. Oh là là. Je sais même pas où est-ce que j'ai envie d'aller. C'est... Ah oui, tiens, c'est une bonne idée. On va aller de l'autre côté de la grille. Attends, je vais mettre un peu plus bas si je veux repasser ailleurs. Oui, voilà, très bien. Allez hop. Oula. Oulala. Oulalalalalala. Il y a des choses. Il y a des. Oh! Ah oui, c'est une grue. C'est bizarre, ça ressemble à la. Ça ressemble à la. La grue là. Ça me rappelle le tout début quand. Quand on sort du box de la chambre et qu'il nous transporte via le rail jusqu'au début du... de la paroi de la... des salles de test. J'ai l'impression que c'est un éternel recommencement. Si je ne m'abuse. Ah, là je me sens mieux. Là au moins je surplombe un peu les lieux et c'est un foutoir sans nom. C'est un foutoir sans nom. Où vais-je pouvoir aller? Non, je descends là tout bêtement. Tout bêtement. S'il y a des endroits à visiter, mais bon. Keep out. Oui, bien sûr. Ne pas entrer. Oui. Oui, oui, oui. Zone de test condamnée. Ouais. Oui. Keep out. Keep out. Ah. Comment ça zoomer? Oui, mais là, je reviens. Oui, si je veux, je peux zoomer à travers les barreaux. Non, il n'y a pas une surface de... Non ? Il n'y a pas une surface amie quelque part ? Non. Aïe, l'orage est en train de s'en aller, ce fut court. Ah bah c'est bien Olive ! J'ai le cerveau tout retourné. Ah, il y a quelque chose là-haut. Ah oui, il y a quelque chose là-haut. Ah, voilà. Là c'est mieux. Alors... Ah, oui, et après. Oui, d'accord, mais... Pourquoi... Moi, je veux bien monter, mais... Ah, là, peut-être. Avertissement de quoi? Enrichissement... cosmique... rayon cosmique, oui, bien sûr. Oui, des rayons cosmiques, il manquait plus que ça. Des rayons cosmiques... Ah oui, je suis de l'autre côté de la porte. Que je peux peut-être élégamment déverrouiller maintenant, non?
Bon, vous me direz que c'est sans importance. Ça se peut qu'on ait du même coin ou pas loin. Moi, je suis en centre-val de Loire. Pareil, j'ai eu un orage, il a filé comme le vent. Ah oui, bon. Tant mieux, l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de dégâts. Oula. Pas entrer, de pas entrer. Qui pas. Non, il faut qu'ils arrêtent avec leurs inscriptions à la noix. Oula, ça devient dangereux ici. Encore que. Oh, les portails sont si lointains. Les portails sont si lointains. Et maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tirez le levier. D'accord, d'accord. Oh. C'est un grand sas d'entrée. Oh, de la terre meuble. Mais de la terre naturelle, là. Enfin, de la roche naturelle, ça fait plaisir. C'est quoi ça? Un, d'accord. Et là, deux. Bon. Ok. Ok, ok, ok. Est-ce que je peux rentrer dans le... Non, je peux... Ah, si, je peux. Oh, écoute, je peux m'en priver, je vais rentrer dans les salles de contrôle, moi. Alors, Watch Overdrive, comment ça, 20, 0. Ah, il faut le faire en même temps. Oh, vous êtes chiants, les gens. C'est scandaleux. Attendez. Non. Oui. Alors, j'ai l'air con, j'ai l'air con, j'ai l'air con. J'ai l'air très très con. Laissez-moi réfléchir. Laissez-moi réfléchir, laissez-moi réfléchir. Parce que si je regarde... Ah bah merde, j'ai vu sur le... Attendez. Ouais, je peux être un peu au-dessus du... D'accord. Allez, go, vite, vite, vite. Mais non, mais... Ah! Mais non, mais... Mais c'est scandaleux! Attendez. Oui, comme ça. Go! C'est parti, vite, vite, vite. C'est bon! J'ai gagné, j'ai gagné. Ah, ah. Aéro, t'es le centre de Twitch. Oui. Oula! Ah! J'en tombe à la renverse. Si, mais je peux y aller. Ben voilà, c'est là qu'il faut que j'aille. Ah, il y a une passerelle qui s'est déverrouillée, dis donc. Attendez. Attendez, attendez, attendez. J'ai gagné mon droit de... Oui, d'accord, il y a du mobilier. Ok. Oh. Bizarre. J'avance encore un peu, puis on va basculer au tableau mystère. Danger de quoi? Ah oui, oui, c'est la... C'est la... Oh, ça me dit quelque chose. Ah, ça fait peur. On a foutu les jetons. Oui, ça me rappelle des souvenirs de la coop. Oh mon dieu. Aperture Science, oui, ça s'est cassé la figure. Pour être poli. Oh mon dieu, c'est sphère. Oh là là. Et pourquoi ça se détache? Il y a des choses qui se détachent, je ne comprends pas. Hop là, je peux me faire un petit portail si je veux. Oh là là, il y a de ces choses.
Je vais aller là-bas. Non, je déconne. C'est bizarre, ça me dit quelque chose cette structure aussi. J'étais pas dessus avant, il y a longtemps. Je sais plus. Oh, c'est beau. D'un point de vue architectural, c'est stylé. Je peux aller au-dessus ? Non, j'ai pas le droit. Dommage. Dommage. 1952. Ah bon ? Oula. Attendez. Ouais, je vais essayer de mieux viser. Attends, il y a autre chose ? Non, non. Ah. Chambre de test de 1-200. Expériment discontinué. 10. Ah ! Zone contaminée au nucléaire. Underground train test shaft. Ah ! Il y a une, un système ferroviaire souterrain. Wow. Et là, je surplombe mon point d'arrivée. Oh mon dieu. Il y a du béton, c'est le principal. Oui, il m'en parle pas. Bonsoir, la Jed. C'est troublant. Et ça, ça a été vitrifié. Oula, vérifié. Tiré sur le levier. Oh la vache, comment ça a été délabré. Quel levier? Ah, ce levier, d'accord. C'est à vous, toi. Tadam. Bienvenue chez Aperture Science. Qui c'est qui parle? Et Rocker, médaillé au JO, si vous êtes là, c'est parce que nous voulons que les meilleurs, en l'occurrence, vous. Êtes-vous passionné par la science? Moi? Ah, vous avez eu le temps de faire connaissance dans la limousine. C'est donc à moi de me présenter. Je m'appelle Kev Johnson. C'est moi le proprio. Cette fois suave, c'est la divine Caroline, mon assistante. Bien entendu, elle a conseillé de me faire sans elle, ce centre stellaire est ligne comme un cœur en plus. Mesdames et messieurs, elle est mariée à la science. Je sais plus ce que j'entends. Je... Ah, il y a un truc là-haut. Eh, je vais aller tout en haut. Il y a un truc là-haut. Je l'ai vu. Ah bah voilà. Ça me va très bien. Pourvu que ça tienne. Génial, je vais nulle part, c'est ridicule. Je fais quoi maintenant? Je crois que je l'ai dans les dents. Au moins j'ai le choix d'atterrir à peu près où je veux en contrebas. Ou pas. Je m'interroge. Attendez, faut pas que j'aille sur main lift. Si, faut que j'aille sur main lift. Comme j'ai les super bottes, je peux chuter où je veux, non? Je me laisse glisser là? Non, je peux pas. Ah non, mais c'est trop loin, je peux pas. Attendez. Ah, si je me jouais de. Si je me jouais de la gravité. Si je me jouais de la gravité. Ah, attends voir. Si je mets mon portail en contrebas, que je me laisse chuter et que je me propulse, mais j'ai pas de truc en face. Mais je n'ai pas de truc en face. Ou alors. Ah, il faut peut-être que je me propulse là-bas en fait, non? C'est troublant. Attends, si je. Non, je vais me propulser dans le. Ah, oh, je sais pas. Oh, je peux peut-être faire un saut comme ça. Oui, je vais faire un saut de puce. Attendez, je vais essayer. Ouah, j'ai mal visé. Qui est con. J'aurais dû le mettre là, mon truc, en fait. Ah, on va la recommencer. Bougez pas. J'arrive. Non, pas comme ça. Attendez. Oui, non, c'est mieux. Au secours. Au secours, au secours, au secours. Voilà.
Oui. Oh, c'est beau. C'est magnifique. J'ai gagné. Oh, ces boiseries. Chaque jour, on effectue un bon millier de tests dans les sphères d'enrichissement. Forcément, je ne peux pas tous les superviser. Du coup, ces messages préenregistrés sont là pour répondre à toutes vos questions et à tout accident qui pourrait avoir lieu dans le cadre de votre aventure scientifique. Oui. Les tests qui vous sont attribués dépendent essentiellement de la façon dont vous avez plié le monde à votre volonté. Oui. Les sujets affectés aux tests du gel répulsif suivent la ligne bleue sur le sol. Oui. Les sujets volontaires pour recevoir de l'ADN de montre religieuse, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Oui. La mauvaise, c'est que ces tests sont suspendus pour une durée indéterminée. Oui. La bonne, c'est qu'on a un test bien plus intéressant, combattre une armée d'hommes mantes. Prenez une arme et suivez la ligne jaune. Vous saurez quand le test commence. Oula, oula, il y en a des choses. Oula, une mine de sel. Ah bon. Ah, d'accord. Ça a été. C'est dans la mine de sel qu'il a créé. D'accord. Dans l'état de l'Idaho, il y a une mine de sel qui est en fait le lieu des labos d'Aperture Science. Eh ben voilà, on sait tout. Eh ben dis donc. Vache. Oula. Oulala. C'est quoi ça? Ah, c'est un cendrier. Please wait for the finishing. Soupir. Je veux placer des portails. Y'a pas de surface pour les portails, c'est pas drôle. Là-bas, y'a une surface? Non, même pas. Oh. Oui. Zoomer. Oui, bah oui, je zoome, je vois des choses. Station Alpha. On va pas y aller à la station, si. Gel. Oui, bon bah, la belle affaire. Là, je peux faire un truc. Mais Laurent, comment j'en mets? Ah! Très troublant. Non, vraiment? Oula, non, attends, je suis au-dessus du vide. À côté, peut-être. Ah oui, c'est déjà mieux. C'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup mieux, mais ça... Pour information, pendant tout le prochain test, vous serez irradié par un supraconducteur à plein régime. Ouais. Pour être honnête, c'est vraiment histoire de voir ce que ça va donner, sans doute rien. Au mieux, ça vous donnera peut-être des super pouvoirs. Au pire, 2-3 tumeurs qu'on pourra toujours virer. Ouais, on m'ouvre une porte ou tout est scellé comme dans un sous-marin condamné. Oh là là, c'est haut. Je peux rien faire là-bas. Hein. Non, je peux rien faire. Attendez. Si je reviens à mon point de départ, il se passe quoi? Non, parce que visiblement, je peux descendre tous les étages. Ça va être très très chiant. Mais je peux descendre tous les étages. Oh. Ah, attendez. Ah! Ça, c'est le genre de choses qui me plaît beaucoup. Je vais oser un truc très culotté. Je crois que je vais beaucoup voler. Adieu! Oh! Ah bah c'est ça qu'il fallait faire. Ça a tenu? Oh vache. C'est du solide. Ouais! Station de pompe alpha, station de pompe alpha. Ah oui, des allergènes, plastique, dangers animaux, pollen, antimatière.
Oh là là, oh là là, oh là là. Il calcule ça en mètres cubes par heure. Ça fait combien d'hectolitres? Ta 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 ti ta la ta. Ah ouais, on est super loin de la surface en fait. Oh mon dieu. On est super loin de la surface. Activation des gels. Chez chaque mise en plein saut, ça marche mieux, hein, mon dieu. Le gel bleu approche. Ah non, je peux voir. Ce gel bleu. Ce gel qui me fout les jetons. Mal de couille. Excusez-moi, c'est l'émotion. Pourquoi je... Attendez. Là. Oulala. Là là. Laissez-moi le temps de la réflexion. Je viens de là, je vais vous. J'ai le droit d'aller là, moi? Non, j'ai pas le droit. Ah, si, j'ai le droit, mais ça sert strictement à rien. C'est drôle! Ah, il y a quelque chose là-haut, non? Attendez. Non? Non, vraiment pas? Oh! Je peux pas. Non, je peux pas. Merde. Hop là! Ah ah! Je suis habile! Vous êtes sûr? Apparemment, oui, c'est là. Il n'y a pas d'autre chemin. On dit que la science est bâtie sur les épaules des géants. Pas chez nous. Chez Aperture, notre science part de zéro. Les roulettes de vélo, c'est pour les gamins. Oula. Alors, je fais quoi? Je fais le tableau mystère maintenant ou vous voulez que je fasse encore un petit peu de portal? Sauvegarde. Ah, d'accord, ok. Attends, on attend la fin de l'animation. Il se passe quoi, là? Oui. Le premier test de porte sûr, je cite les gars du labo, un gel répulsif. À propos, vous ne faites pas partie du groupe témoin. C'est bien le gel. La dernière fois, le type avait eu de la peinture bleue. Non, c'est vrai, il s'est fracturé tous les os des jambes. Tragique, mais très utile. Enfin, il paraît. J'aime bien, t'anticipe. Bonsoir, Son Goodman. Oui, dans l'ensemble, tout le monde va bien, merci. Bon, bah, c'est bien, c'est cool, tu vas bien. Mais, waouh. Ok, je sauvegarde. Ou non, nouvelle sauvegarde, oui, si tu veux, je... On se fait le tableau mystère? Allez, zou. Wouh! Bah, c'était bien, ça m'a retourné le cerveau. On va se regarder une petite vidéo en extra. On avait fait quoi? On avait fait les bottes. On avait pas fait les tourelles, je crois. Regardons. J'anticipe tout. Pâte à midi, passer mon week-end à Colmar. Ah! Pour accompagner mon frère pour son semi-marathon. Alors, c'est marrant! Figure-toi que Colmar, j'y suis allé, moi, le week-end précédent. C'est fou, ça! Où j'ai dégusté une savoureuse flammekueche chèvre miel. Et je suis allé voir le sanctuaire des papillons. Je sais pas si t'as eu l'occasion d'aller voir le sanctuaire des papillons. Là, là. Ça a un endroit magnifique, la serre aux papillons. Oh, c'est fou ça, Saul Goodman. Un week-end près, on était au même endroit. C'est marrant. C'est beau, hein, Colmar. C'est magnifique. Non, c'est vrai! À une semaine d'intervalle, c'est trop drôle. Mais hey, sérieusement, Saul Goodman, est-ce que t'as vu la serre aux papillons? C'est à 5-6 km à côté de Colmar. Et c'est un endroit que voulait me présenter ma frangine. Et c'est beau. C'est magnifique. Je savais pas, il y a des papillons qui sont aussi gros qu'une main humaine. Les papillons, vous les voyez passer à côté de vous, ils sont énormes. C'est époustouflant. J'avoue, l'expression flammekueche chèvre miel m'est sortie de ma léthargie.
Mais moi, ça m'a procuré beaucoup de plaisir. À tel point que la prochaine fois que j'irai en course, en espérant que ce soit pas trop cher, je vais essayer de m'acheter une... Ah oui, t'y es allé aussi. Le hasard est assez dingue. Effectivement. C'est con, ouais. À un week-end d'intervalle, sans savoir, on se croisait seul. C'est énorme. Ah, c'est trop marrant. En course, j'essaierai de m'acheter une flamme cuche classique, mais de m'acheter du miel et du fromage de chèvre. Et je vais me refaire la combinaison parce que c'est trop bon. J'ai adoré, c'était une tuerie. Bon, les tourelles, on se regarde la vidéo puis on fait le tableau mystère. Cave Johnson here, introducing the consumer version of our most popular military grade product. Hello. The turret. How do we get so many bullets in them? Like this. Plus, we fire the whole bullet. That's 65% more bullet per bullet. This is the same technology we've been using on robots for decades. Scares the hell out of them. They come in hundreds of designer colors, including forest, desert, different. Table, evening at the improv. What idiot picked these? Then we box them up and ship them straight to your doorstep so you can protect the things that matter most. Good night. Just try and get close to that baby. Your funeral. Cave Johnson, we're done here. Excellent. Oh mon dieu. Ah là 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 là. Ah, allez, tableau mystère. Eh ben c'était bien. Oh, c'est... Vous voyez, deux univers intenses en narration et en vraiment en univers qui vous rince le cerveau. Arx Fatalis suivi de Portal 2, c'est... Double dose. C'est... Ça fait bizarre de se reconnecter à la réalité après. C'est... Wouh! Ah non, vraiment, c'est... C'est fou. C'est... Alors, attendez, on va faire Just Chatting et on va faire le tableau mystère. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Tac, tac.